On retrouve moi, Aïka et mes 97 kilos. J'ai tellement faim. Oui, j'ai craqué. Regardez les filles. Je vais me peser. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau diet vlog. Je vous retrouve moi, Aïka et mes 97 kilos. Je n'aurais jamais cru un jour dans ma vie redire cela. C'est vrai que j'essaye de prendre les choses avec philosophie dans le sens où c'est pas comme si en fait j'avais perdu mes bonnes habitudes et puis que j'avais mangé, arrêté de faire du sport et voilà, me retrouver à 97 kilos. Non, je suis tombée enceinte, j'ai changé d'environnement, j'ai été alitée, j'ai eu un bébé, troisième bébé, changement d'habitude et je me suis retrouvée à 97 kilos. Je suis un petit peu... voyez, j'ai un petit peu la chair de poule, j'ai les frissons, j'ai peur, étant donné que je suis près d'un palier qui est quand même retentissant. Je suis près des 100 kilos, c'est juste énorme. Je ne veux pas retourner aux trois chiffres. C'est pour ça que je suis quand même assez contente de m'être reprise en main avant d'atteindre ce stade de non-retour pour moi des trois chiffres et de l'échec vraiment de mon régime. Si je ne serais pas tombée enceinte et j'aurais eu ce poids-là, j'aurais été considérée en échec selon moi. Cependant, étant donné que je suis tombée enceinte, que j'ai été alitée et que finalement mon poids avant l'accouchement c'était 95 kilos, j'ai pris que 2 kilos de plus. Il y a une tolérance. Ça fait 3 mois que j'ai accouché. On va voir dans les 3 prochains mois. Je ferai une update. Là les filles, c'est le premier jour de la reprise en main. Je vais pas vous mentir que je suis un petit peu perdue sur quoi manger. Quoi éviter étant donné que j'étais un petit peu dans la débandade. C'est tout à fait normal. Mais une chose est sûre, je vais y arriver. Vous voyez les filles là, j'ai des bananes qui sont assez rassis. Donc je vais les utiliser pour mon premier repas. Je vais mettre des muesli au chocolat. Et là je les aime pas tant que ça. Donc du coup ça m'arrange. Comme ça je serais pas tentée d'en mettre beaucoup. Et je vais me faire une sorte de bol de fruits avec des petits granola muesli au chocolat et je pense de l'ananas. Étant donné que j'ai une tendinite encore post-accouchement à cause d'un problème de synovie, c'est quelque chose qui est assez courant comme séquelle de la grossesse. C'est pour ça que j'écrase un peu ma banane bizarrement. C'est bon comme ça. Premier repas les filles, bol de banane au muesli et à l'ananas avec Mimi qui parle. Voici mon premier repas les filles que Mimi essaye de me shipper parce qu'elle est juste en bas, juste ici. Donc c'est un bol où il y a de la banane écrasée avec des petits muesli et de la banane. J'ai pas rajouté des amandes parce que je pense que ça ferait trop. Je pense que c'est un repas qui va pas mal me caler du coup et j'en ai vraiment besoin parce que vous savez, le sentiment de satiété, il est dur à combler en ce moment étant donné que j'ai repris les mauvaises habitudes. Et la chose que je n'avais pas compris lors du dernier diet vlog, j'étais tellement dans tous les sens, c'est qu'il fallait pas que j'attende le sentiment de satiété. Le sentiment de satiété, je pense, c'est quand on a une alimentation bien carrée en fonction de ses objectifs, de la vie que l'on veut, du poids que l'on veut en fait. Quand on est dans un processus de perte de poids, on ne peut pas attendre le sentiment de satiété parce que justement ça prend pas beaucoup de temps mais beaucoup de calories, beaucoup de choses en bouche et du coup c'est pas ça ce qu'on veut parce que ça fait du poids en plus. Je pense qu'avec d'autres muesli ça aurait été parfait. Il faudrait que je recherche les muesli que j'utilisais avant, qui sont disponibles à Monoprix. Mais le mélange banane muesli, c'est vraiment bon. Ce mélange est vraiment bon. Ouh ! On n'a rien vu. On n'a rien vu. À part.
prends des précautions. Vraiment, le mélange avec la banane, c'est super bon. Et la banane, c'est super économique du coup. Mmh. Je mets deux bananes. C'est pas que je commence à caler, mais quand même. C'est bizarre comment les filles, avec le recul finalement, étant donné qu'il y a quelques jours de stage, je mangeais encore mal, comment des gâteries, des friandises, des choses comme ça, vous en pouvez en manger beaucoup, mais ça vous cale pas. Mais là, vous voyez, un bol de bananes avec quelques ananas et un petit peu de muesli commence déjà à caler. Donc ça du coup c'est la partie pour les enfants, c'est du quinoa avec de la saucisse et de l'oignon. Moi je n'ai pas mangé de la saucisse du coup, je mangeais que du quinoa et des oignons. Mais par contre je vais prendre un dessert, je voulais prendre du thon. Ouais, du thon. De rajouter de la sardine, mais étant donné que j'ai déjà mis de l'huile pour préparer les oignons, j'ai rajouté du thon au naturel, une petite cuillère du coup. Oui Mimi. Les filles, j'ai goûté une part hors caméra, c'est super bon. Alors, c'est bon ou pas? C'est bon ou pas les cocos bourbonnes? C'est bon ou pas? C'est bon ou pas les cocos? Extra. C'est bon? En tout cas, elle aime bien. Elle aime bien. Trop bon. Ma gourde d'eau parce que j'ai hyper faim et hyper soif. Là, quand on dit en fait que le régime c'est pas restrictif, je pense que je vous ferai un contenu sur mon site internet, mais en fait quoi qu'il arrive quand on commence on se restreint. Là je me suis fait une petite tartinette au thon et aux œufs. Donc c'est comme ça, j'ai tellement faim. Et en vrai, c'est elle qui me donne faim parce que j'arrête tellement, même si je donne le biberon à côté, que franchement, je suis épuisée, je suis au bout du rouleau. Mais ça me fatigue, ça me donne faim. Donc c'est un cercle vicieux.
Transparente, ok, on ne ment pas. Et même quand on fait des vidéos régime, morning routine, night routine, routine pour maigrir, ce que je mange pour maigrir, ça c'est mes vidéos de prédilection, on ne ment pas. Hier les filles, tout a bien commencé, j'ai mangé mon quinoa, voilà, comme d'habitude auparavant. Cependant, le soir, c'est vrai que vous savez, les premiers jours et surtout le soir au moment du coucher ou lors du dernier repas, si vous mangez le soir entre allez, 17h et 21h, c'est compliqué parce que voilà, on est là, on tourne en rond, on a faim. Parce que c'est tout à fait normal quand vous commencez un régime ou que vous reprenez en main, surtout si vous n'utilisez pas des additifs, des détox comme ma détox de mon site internet, de choses comme ça, vous allez avoir faim. Moi, je ne peux pas le faire actuellement, je ne peux rien utiliser parce que j'allaite ma fille et quand on allaite, je vous déconseille d'utiliser quoi que ce soit à part votre mental. Moi, je ferai ma détox dans quelques semaines, mais j'arrêterai l'allaitement pendant 2 semaines, le temps de la détox du coup. Parce que moi, je peux me permettre, étant donné que j'ai beaucoup de lait. Cependant, j'étais en train de vous dire, quand vous n'utilisez rien, c'est super compliqué en fait. Vous avez faim, vous tournez en rond, vous vous levez, vous allez boire, il y a le jus qui vous tente. Et du coup... Hier soir, mon chien il m'envoie un message et me dit, écoute, est-ce que tu veux manger quelque chose? Parce qu'en fait, depuis que je suis tombée enceinte, étant donné que voilà, j'ai été très vite alitée, ça a été très vite compliqué, il m'a amené régulièrement à manger pour que j'évite de me lever pour faire à manger, que ce soit pour moi ou pour les enfants. Et du coup, c'est une mauvaise habitude qui est restée. De toute manière, quand vous avez un chéri, une chérie, c'est voilà. C'est un concept qui s'appelle le relationship weight gain. On prend tous du poids un petit peu parce qu'on est là, bref. Ça c'est une autre histoire. Et donc du coup je lui ai dit non, je n'ai pas besoin, j'ai à manger chez moi, c'est bon en fait. Et là les filles, qu'est-ce que je vois? Je vois déjà qu'il m'amène un tacos. Les filles, attends. À votre avis, est-ce que j'ai craqué ou pas? Oui, j'ai craqué, j'ai mangé le tacos, mais j'ai pas mangé la glace. Même pas une seule cuillerée de la glace. Je suis tellement pas fière de moi. Mais vraiment, 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 vraiment. À la limite, si ça faisait 2-3 semaines que j'étais en reprise en main, ok. Mais là, c'est le premier jour. La vérité. Mais l'important, c'est que aujourd'hui, je suis un petit peu même dégoûtée de moi. Surtout que là, à présent, je ne vais pas vous mentir. Mon corps me dégoûte. Mais vraiment, je me sens pas bien dans ma peau, vraiment. Et d'ailleurs j'ai décidé de garder du coup ce linge ainsi que la robe que j'ai mis lors du dernier diet vlog pour faire une mesure au niveau de l'avancée de mes progrès, mais je suis pas bien dans ma peau. Donc le fait d'avoir craqué comme ça, je peux pas me dire bah oui j'ai craqué, mais avant j'ai quand même accompli quelque chose. Là on est totalement dans le négatif. J'essaye de voilà, d'aller dans le positif et puis je suis repartie dans le négatif, en tout cas pour un repas. Aujourd'hui je me suis reprise comme vous avez vu et je suis un petit peu frustrée. J'espère que le restant de la journée, notamment le soir, je ne vais pas. Si tu souhaites.
heureuse, vraiment. Je sais pas si j'ai commencé à perdre au niveau du visage, mais il y a quelque chose qui s'est passé hier. Oh, c'est le début de tout. Ça y est, c'est reparti. J'ai repris le goût de mon lifestyle sain, notamment par rapport à l'alimentation. Vous savez, quand j'ai déménagé, j'ai été bouleversée par rapport à ma routine. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai repris du poids, même si j'ai stabilisé avant de tomber enceinte. Mais j'ai été totalement bouleversée en fait dans mes habitudes, où acheter mes produits, comment aller acheter mes produits. Parce que avant, je n'avais pas de permis, je n'avais pas de voiture. Et disons que les magasins, ils étaient atteignables aisément à pied sans que ça soit une distance trop, voilà, trop longue. Et c'est vrai que là, je devais toujours, ce qui faisait que ça me favorisait du coup une activité sportive hors du sport en allant chercher mes courses et en les ramenant à la maison à pied. Et là, j'ai été totalement bouleversée par rapport à ça, par rapport au prix également. Et vous savez, en tournant... Et vous savez, en me reprenant en main, enfin, parce que c'est une vraie reprise en main cette fois-ci, j'ai repris le goût à préparer et à manger d'abord avec les yeux, puis après avec la bouche. Je vous explique, c'est un concept, pas que j'ai créé, mais disons que je me suis imaginée, parce que tout passe par l'imaginaire dans un premier temps. Quand j'ai commencé ma première perte de poids en 2020, je ne vais pas vous mentir, au début, j'étais affamée. Et c'est tout à fait normal parce que je mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour peser 120 kg et entretenir ces 120 kg et être dans un processus de prise de poids, c'est que l'on mange beaucoup, à part si on a des traitements, des choses comme ça. Et moi, ce n'était pas mon cas. Et quand j'ai commencé ma perte de poids, c'était un petit peu compliqué. Et vous savez, à défaut de manger... Avec la bouche, manger avec les yeux. C'est là que j'ai commencé à regarder les vidéos de Ici Japon, si je me trompe pas, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé ces vidéos de Tev, où il fait des road trips où il va essayer de chercher le meilleur burger du Japon et de manière générale du monde quand il voyage. Et ça me permettait de manger avec les yeux. Et il faut savoir que quand j'ai commencé ma première perte de poids, je faisais des repas fade au niveau du visuel et également au niveau du goût, étant donné que j'étais habituée à des goûts extra, au niveau du goût, quand je suis passée à quelque chose de plus ou moins normal, et ben c'était assez fade. Et le fait de pouvoir regarder ces vidéos, je mangeais avec les yeux. Et au fil du temps, quand j'ai commencé à évoluer, à affirmer mon style, en fait, moi, mes plats, ils étaient toujours colorés, toujours, en fait, ça donnait une sensation de joie, de fun aux yeux, et c'était agréable à voir, et ça donnait envie de manger tout en étant healthy, sans que les quantités soient des quantités astronomiques. Je me suis rendu compte que pendant ce début de semaine, les filles, eh ben, j'ai retrouvé ce style-là d'assiette colorée qui donne envie de manger, qui donne du peps, qui donne envie même de danser avec, voilà, du rouge, du vert, du jaune, des choses comme ça en fait. Et j'avais perdu ça en arrivant ici, et surtout je ne m'étais pas adaptée en fait à mon manque d'activité sportive, qui est quand on mange une omelette tous les matins composée de 3 œufs avec du fromage un petit truc à côté. S'il n'y a pas l'activité sportive par derrière, ça sera vraiment compliqué. Mais la chose que j'avais envie de vous partager, c'est que j'ai vraiment repris ce goût de préparer mes assiettes en fait. Et je suis super contente, j'ai plein d'idées de recettes, ne serait-ce que le smoothie à la cacao. Ah ouais, ça m'a même donné envie, et je vais le faire, d'aller au bazar acheter des ustensiles de cuisine pour préparer, pour que ça soit beaucoup plus agréable, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus coloré, et que ça me donne envie de manger. N'hésitez surtout pas à faire ce genre de choses, ça peut vraiment du coup vous motiver. Mes petites notes à bene et petites réflexions. C'est vrai que ça coûte cher. Je disais à une de mes copines, en fait, la mort au niveau alimentation, elle coûte pas cher, mais la vie et la santé, ça coûte extrêmement cher. Ce matin, j'ai mangé du fromage blanc sans sucre. Le sucre, là, c'est pas pour moi. Avec des muesli
et de la mangue. Par contre, il faudra que je commence à faire un petit réassort de courses healthy parce que j'ai presque plus de fromage blanc 0% et les fruits, ça commence du coup à diminuer. Concernant les muesli, parce qu'en fait, j'ai pas eu l'occasion de monter sur la ville d'à côté pour aller acheter, vous savez, des granolas, mais je pense vous faire peut-être un diet haul, même si je vous en ai posté il n'y a pas si longtemps, parce que j'ai décidé de me consacrer une somme pour mes produits healthy du coup, parce que c'est, je dois vraiment prendre en main, je veux maigrir, je dois maigrir. Hier, je vous parlais en fait de l'importance d'avoir des assiettes, déjà en termes d'aliments qui donnent envie d'être mangés, mais d'utiliser également de la vaisselle qui va vous donner envie de manger. Là, je vais utiliser le bol d'Ariel parce qu'en fait, elle a cassé son bol qui était comme ça, qui était en léopard rose. Et on est parti à la boutique et elle a acheté, enfin, je lui ai acheté ce bol-là. Je trouve que franchement, il est super beau. Du coup, franchement, ce fromage blanc, il est vraiment bien. Après, je l'ai trouvé à Leader Price ici en Martinique. Mais je vous conseille vraiment de prendre des fromages blancs, voilà, taille fine, avec du fromage blanc maigre. Parce que je sens vraiment que c'est maigre. Étant donné, du coup, que j'ai eu, voilà, une petite débandade, je suis capable de sentir la différence entre quelque chose où il n'y a pas beaucoup de... où il n'y a pas beaucoup de sucre et quelque chose où il y a beaucoup de sucre. Et là, je sens vraiment dans ça, il n'y a pratiquement rien. Après, concernant les yaourts, si je peux me permettre mon petit blabla concernant les yaourts, je préfère vraiment les Alpro. Après, pour finir du coup mon blabla concernant les yaourts fromage blanc, moi, je préfère vraiment les Alpro parce qu'ils sont beaucoup plus légers et en bouche, c'est beaucoup mieux, quoi. Donc là, mangue, muesli à la fraise et fromage blanc 0%. J'ai envie de remettre des muesli parce qu'il m'en reste plus. Parce que bien évidemment, on ne met pas beaucoup de muesli dans du lait ou dans du fromage blanc comme ça, mais je vais pas le faire. Un peu trop d'huile à mon goût. J'ai réchauffé du coup des spaghettis hier, il y avait un petit peu de viande, mais je vais rajouter du saumon. Pas très healthy. J'ai mal calculé qu'il y avait déjà de l'huile en fait dans les spaghettis, même si elles étaient froides. Parce que vous savez que vous avez déjà des repas que vous avez fait et que vous avez mis au frigo. Quand vous réchauffez, privilégiez l'eau. Vraiment. Ou un très petit filet d'huile. Parce que là, malheureusement, j'ai remis un peu d'huile pour mettre un petit peu à faire des oignons. Parce que vous savez que c'est mon légume privilégié. Parce que je trouve qu'il est super bon lui-même tout seul. En plus, il donne du goût au plat. Mais là, ça me met un petit peu dans une situation embarrassante niveau huile. Donc voilà. J'ai pas besoin de rajouter d'huile. Il y aura un petit peu de pâte collée dessus, mais c'est pas grave. Et moi, je laisse quelques secondes, comme vous savez. Vraiment quelques secondes, parce que j'aime bien quand il est... saignant sans être saignant. Là, c'est déjà terminé pratiquement. Même là, j'ai laissé un peu trop. Ouais, un tout petit peu trop. Mais c'est pas très grave. C'est un petit peu huileux. Je vais rajouter un petit peu de fromage, c'est tout. Voilà, un petit peu huileux, mais bon. Ça va le faire. Que je l'ai bien cuit comme... Ouais, je l'ai bien cuit comme j'aime. Cuit à l'extérieur, cru à l'intérieur. Là, je n'ai même pas eu le temps de l'assaisonner en plus que j'ai pas le temps. J'ai plein de choses à faire. Bon les filles, j'ai mangé encore des spaghettis ce soir. Je voulais juste vous montrer quelque chose
qui m'a un petit peu démoralisée, je ne vais pas vous mentir. Donc ces derniers jours, à part le tout premier jour, ça s'est plutôt bien passé. Comme je vous ai dit, en fait, j'ai vraiment l'impression de retourner vraiment dans le bain et d'être motivée, d'être sur une bonne lancée. Cependant, patatras, j'étais en train de monter des vidéos. Là, vous voyez, ça, c'est une vidéo que j'ai tournée aujourd'hui. Et je trouve que je me suis un petit peu affinée au niveau du visage. Déjà, même si j'ai en horreur mes bras, je trouve qu'ils sont beaucoup trop gros, en fait. Et là, les filles, j'étais en train de faire une sorte de rewind, en fait, sur mon aventure perte de poids. Et une petite update, comme j'ai l'habitude d'en faire en voix off. Et là, je suis tombée sur ça. Regardez les filles, c'est tellement ça que j'aime. Moi, en fait, là comme je suis, j'apprécie pas du tout. Je sais pas, il y a certaines peut-être qui vont plus apprécier. Alors après, peut-être c'est la coiffure aussi. Alors peut-être c'est la coiffure aussi parce que j'ai un marais tête là. Et là, j'ai les cheveux plaqués. Je vais pas vous mentir que je m'aime beaucoup quand j'ai les cheveux plaqués comme ça. Du coup, mais les filles... Et là, il faut savoir que j'avais un petit peu grossi. J'étais à peu près à 69, 70, 71 grammes maximum. Je m'aime tellement comme ça. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point, en fait, comme je suis aujourd'hui, je me trouve tellement laide. Surtout que là, j'avais grossi par rapport à... Alors attendez, je vais vous montrer par rapport à quel moment, ou même ne serait-ce que comme ça en fait. Non, 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 non. Non, là en plus j'étais enceinte. Mais vous voyez, là par rapport à là, j'avais pris un petit peu de poids, ben, ne serait-ce que ça en fait. Parce que là j'ai vraiment l'impression d'être, voilà, là. Et ça me plaît pas. Alors attendez, je vais mettre l'aiguille. Regarde. Un petit peu, même pas. Après, c'est normal si ma poitrine est un peu plus opulente. Tout simplement parce que j'allaite. D'ailleurs, l'allaitement, je vais arrêter dans 2-3 jours ou 15 jours. Le temps de ma détox. Parce que du coup, le prochain diet vlog, ça sera le vlog spécial détox. Et franchement, les filles, je me déteste tellement ainsi. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Vous voyez, ça allait quand j'étais comme ça parce que j'étais enceinte en fait. Et qu'on comprenait le concept entre guillemets. Voilà, on voit que je suis enceinte et tout, mais je me préfère vachement là. Même si c'est vrai qu'au niveau de la poitrine, c'est trop triste au niveau de la poitrine, vraiment. Mais je préfère. Je vous assure que je préfère et je ferai tout pour redevenir un minimum. Les filles, je vous retrouve pour la fin de ce diet vlog. Je vous partagerai un petit peu mon ressenti sur cette première semaine lors de la diet update de ce dimanche. Mais je suis super heureuse dans le sens où déjà j'ai l'impression que mes joues se sont un petit peu affinées, que je me creuse un petit peu au niveau du visage. Et en fait, c'est là où tout commence, du coup. Et en plus de ça, je m'attendais tout le long de cette semaine à être en mode confession nocturne. Les filles, j'ai faim. Les filles, je vais pas trop bien. Même si c'est vrai que j'ai eu faim pendant la nuit. Je vais pas mentir. J'ai pas craqué déjà, à part le jour du tacos. Et ça s'est plus ou moins bien passé. Donc là, je vais me peser. I'll be running out of here.